C'est fini, Frédéric? Voilà, maintenant laissez-la, il lui faut du calme. S'il vous plaît. Frédéric, reste une minute. Frédéric. Filleule de madame. Bon, alors laisse-nous. Bien, monsieur Laurent. Sur mes yeux, tu m'entends? J'aurais juré sur mes yeux qu'elle était morte. Après tout, qui sait? N'empêche que c'est du beau travail. Dans 8 jours, on n'en parlera plus. Vous restez bien 8 jours ici. Non, et moi, je suis en vacances. Parfait. Bon, alors, repos complet. Je reviendrai. En attendant, vous lui donnerez ça, une cuillerée à café matin et soir. Qu'est-ce que c'est? De l'eau. De l'eau? De l'eau. Un peu spécial. Mais c'est vrai, vous n'êtes pas médecin? Eh non. Vous voyez, je guéris quand même. Vous n'y croyez pas, bien entendu. Vous avez tort. Tenez, je peux vous dire que vous êtes très fatigué et vous dormez mal. Je me trompe? Non. Vous êtes brûlante. Vous avez mal. Oui, mais... Asseyez-vous. Voilà pour les migraines. Je vous promets que vous dormirez mieux cette nuit. J'ai eu très peur. Tout le monde croyait que... Ah, oui.
Oh non, ne regardez pas ça, ce sont des douleurs de vacances. Ah, parce que c'est un métier. Oui, je fais les dessins de mode dans la revue Tout Paris. Très joli, mais pas facile à porter. Sur vous, à la rigueur. À demain, Madame Mériadec. Merci, M. Laurent. Bonne nuit, Madame Mériadec. Attention, très bonne nuit. Si vous voulez, vous avez la peine de... Monsieur Laurent. Monsieur Laurent, tout va mal. Voilà. Excusez, madame. J'ai des vertiges. L'estomac qui se noue, une boule là. Je ne vois plus clair et j'ai des picotements partout. Impossible de dormir. Sur le côté gauche, j'ai des cauchemars. Sur le côté droit, j'ai la tête qui tourne. Sur le dos, j'ai des angoisses et sur le ventre, j'étouffe. L'autre jour, j'ai mangé des fraises. Je vous en prie, madame. J'ai besoin de silence. Asseyez-vous. Penchez la tête en arrière. Non, ne vous énervez pas, il va vous recevoir dans quelques minutes. Là. Merci, Robert. Monsieur Laurent, c'est merveilleux, je me sens tout à fait guéri. Je me sens maintenant tout à fait bien. Oh, ce que vous avez fait est magnifique. Je ne sais pas comment vous remercier. Bonsoir. Je t'avais défendu de revenir. Ben oui. J'ai peur, monsieur Laurent. J'ai recraché le sang. Ça devait arriver. Enfin, pourquoi vous voulez pas? Mais tu n'as pas lu l'écriteau dans le salon. Je ne soigne pas la tuberculose. Assieds-toi. Écoute, mon petit. Tâche de comprendre. Les mains, ça ne marche pas pour la tuberculose. Tu perds ton temps en venant ici et ça risque de mal tourner. Dites, monsieur Laurent, si je vais chez le docteur, vous me soignez? Rien à faire. Non, je n'irai pas chez le docteur. Mais tu m'auras pas au chantage. Enfin, je me fais faire un pneumo et vous me soignez en plus. Ça peut pas me faire de mal. Mais ça ne servira à rien et ça te coûtera des sous. Mais je me fais payer. Ah, toi alors. Vous voulez bien? Dites, vous voulez bien? Et fiche-moi le camp. On viendra me voir quand on t'aura fait ton pneumo. Ah, monsieur Laurent. Ouais, ça va, je suis pressé. Allez, file. Et ramène-moi tes radios. D'accord, monsieur Laurent. Alors, il vous a eu, hein? C'est le seul moyen pour qu'il soigne. Et puis, après tout. Quoi? Rien. Je sors. Désirez, monsieur. Il me faut pas mal de choses. J'ai préparé une liste. Non. Si vous voulez vous asseoir. Nous disons 17 790 et 218 000 et 2 000 qui font 20 000. Merci, monsieur. Lachaud, qu'est-ce que tu fais ici? Pardon? Mais tu ne me reconnais pas? J'ai fait. Vous avez fait erreur, monsieur. Vous n'êtes pas Pierre Lachaud? Non. Excusez-moi. J'aurais juré, c'est une ressemblance stupéfiante. Ce sont des choses qui arrivent. Excusez-moi. Vous
connaissez ce monsieur? Non, docteur. Elle se repose bien, promis à son eau? C'est une malade modeste. Je n'en dirai pas autant de toi. Elle refuse d'aller vous voir. Elle a des migraines épouvantables et elle ne dort pas. Je m'en suis occupé l'autre soir. Ça n'a rien donné? Si. Mais ça a recommencé. Vous avez mal en ce moment? Un peu, oui. Venez vous asseoir. Ne vous inquiétez pas pour elle. À demain. À demain, monsieur Laurent. Ça durera longtemps? C'est toujours long, mon beau vieux. La tuberculose, c'est beaucoup une affaire de patience. Quand est-ce que je pourrais retravailler? Oh, vous pouvez faire du violon chez vous. Mais les émissions et les concerts, c'est trop fatigant. Il faut attendre un an. Un an? Vous m'aviez dit 6 mois. Oh, 6 mois peut-être. Le sommet droit est totalement écrasé, je ne vois pas de bride. Bon, on ne vous fera sans doute pas de pleuroscopie. J'ai jamais été malade. C'est pour ça que ça va bien. Et puis surtout... Surtout? Surtout, je vais guérir vite. La volonté, ça y fait, non? Ah, bien sûr, bien sûr. La volonté. Mais ça, d'abord. Oh, les machines. Bon, on trouvera peut-être mieux. Mais pour le moment, on est bien content de les avoir. Mardi prochain à la même heure, ça vous va? Entendu. Bon. Docteur, mes radios. Qu'est-ce que vous en faites de vos radios? Vous consultez ailleurs? Mais non, docteur, non, non. Vous en avez parfaitement le droit. Mais ce serait plus correct de me le dire. Bien sûr, docteur, je vois personne. À Marie. C'est très simple. Le frein, l'accélérateur, le contact et le démarreur. Vous êtes doué, mais tout de même. Si je me casse quelque chose, vous me saignerez. Et si je suis mort? Je vous porterai des capucines au cimetière. J'aime mieux vous emporter, moi, chez vous. Vous savez une chose. Avant vous, on n'avait jamais affaire de fleurs. Oh. Ça ne se fait plus. Pas ici, madame. Ça va être encore long. Non, madame, je ne pense pas. Pas bah, et alors, moi, on oublie? Oh non, madame. Vous buvez? Ben, comme tout le monde, monsieur Laurent. Qu'est-ce que vous appelez comme tout le monde? Un litre. Par jour? Par repas. Des apéritifs? Un peu de pernod. Combien? 3, 4. Par jour? Non. Midi, 7 heures. Vous avez le foie marmelade? C'est grave. Bah, on va arranger ça, asseyez-vous. Et puis ça, au moins, c'est franc. Quand son truc marche pas, il le dit. Vous avez déjà vu un toubib refuser du monde? Voilà. Vous êtes là pour les poumons, hein? Non. Si c'est les poumons, assistez. Il peut aussi. Voyez, Stu,
Il correspond à votre longueur d'onde. Si vous avez bu, le virera au noir. Et dans ce cas, je ne m'occupe plus de vous. Bien, monsieur Laurent. Et combien je vous dois, monsieur Laurent? Alors, pour ça, vous verrez, Robert. Au revoir, monsieur Laurent. Au revoir. Quelle drôle d'idée d'avoir attendu. Vous n'aviez qu'à dire à Robert de vous faire... Je voulais entendre vous malade. Vous savez ce qu'elle dit de vous? Je ne tiens pas à le savoir. C'est pourtant flatteur. Bah, je suis comme vous, je n'aime pas les compliments. Vous n'êtes jamais content. Vous m'avez reproché d'être sceptique et maintenant... Écoutez, Isabelle. Écoutez, J'écoute. Non, rien. Vous aimez le mât? J'en raffole. Alors, venez, je vous emmène à Saint-Lunaire. Vous voulez pas dîner avec moi? Si. Mais après. Après? C'est pour ça que vous êtes venu. Non, vous êtes bête. Isabelle, vous n'êtes pas malade. Vous avez des migraines, comme tout le monde. Elles passeront comme toutes les migraines. C'est par désœuvrement que vous venez chez moi. Si vous vous ennuyez, je veux bien essayer de vous distraire. Mais pas comme ça. Je n'ai besoin de personne pour me distraire. J'ai mes jouets. J'ai besoin de quelqu'un pour me soigner. Mais si j'ai bien compris, vous refusez. Je n'ai pas de temps à perdre. Moi non plus. Vous avez mal? Mais non, voyons. Je m'écoute. Isabelle. Plein. Vous avez l'air embêté. C'est sérieux? Trop sérieux. Pourquoi trop? Elle vous prend pour le bon Dieu. Ben, c'est bien ce qui m'inquiète. Je ne suis pas le bon Dieu. Les guérisseurs poussent comme des champignons en ce moment. Birolet à la Richardet, Laurent à Dinan, la petite Sainte du Fawet, et la planche à Guingamp. Celui-là, c'est le bouquet. Il soigne le cancer avec des bains de pieds. Vous êtes président de l'ordre départemental des médecins châtaigniers. Il faut les poursuivre. Je ne demande que ça. Les procès, c'est leur publicité. Mais enfin, vous trouvez admissible que ce Laurent de Dinan laisse dire partout qu'il a ressuscité une morte? Laurent, c'est autre chose. Le cancer de ce matin est le troisième malade qu'il m'envoie. Toujours à temps et toujours avec un diagnostic impeccable. Et vous savez, Mme Mériadec, sa fameuse miraculée. Ah oui. Eh bien, renseignements pris, elle est bel et bien cardiaque. Vous n'allez quand même pas dire? Non. Non. Mais je voudrais bien comprendre. Votre radio? Merci. Mercredi prochain à la même heure. Annoncez à Dinan. À Dinan? Ben oui. J'ai de la famille. Alors, jeudi? Jeudi, oui. Oui, c'est ça. Voilà. Au revoir, docteur. Bonjour les gars, bonjour Yves. Bonjour Laurent.
Capitaine, vous m'emmenez à Dinard. À vos ordres, monsieur Laurent. On part dans 10 minutes. Mais dites donc, mais vous buvez du pastis? C'est du jus de pamplemousse. La couleur est pareille. Ça le console un peu. Tenez-le à la haie, hein. C'est pas la peine. Il a bien trop peur de vous. Vous savez que Louise est debout, monsieur Laurent. Elle est allée vous brûler un cierge. Bravo. Les passagers pour Dinard. Qu'est-ce que vous faites? Ma valise. Je pars demain. Comment, mais vous aviez encore 10 jours? Oui. Et mon journal me réclame. Bon, bon. Vous avez l'air ravi. J'adore mon travail et j'adore Paris. Oh, ça se voit. Eh bien, si vous avez tout de même le temps de déjeuner avec moi, c'est l'heure? Tout de suite. Vous avez l'air furieux. Vous voulez faire un pari, Isabelle? Nous ne nous verrons plus. Vous avez presque l'air de le souhaiter. Je ne sais pas, mais j'en suis sûr, alors je me fais une raison. Je chercherai de m'en faire une aussi. En somme, c'était une simple histoire de vacances. Il y en a de très agréables. Vous en avez eu beaucoup? Moi, je ne les compte plus. Et vous? 107, vous comprise. Merci. Je ne suis pas le seul, vous voyez, tout le monde s'y trompe. Ah, mais lâchez-moi, vous me faites mal. J'en ai assez, je retourne à Dina. Certainement pas. Vous me supporterez jusqu'au bout. Enlevez-moi ces fleurs sinistres. Vous permettez? J'adore les capucines. Je vous recommande la poularde de Mideuil. Pour un repas d'enterrement, ça s'impose. Et comme dessert, naturellement, des crêpes. C'est vous qui êtes idiote. Vous faites une tête infecte depuis ce matin. Moi? Moi, j'étais d'une humeur d'âge. Isabelle, je ne veux pas que vous partiez. Mais Pierre... Non, je sais, votre travail, on en reparlera, mais après. Pour le moment, écoutez-moi. Si vous partez, je ne saurais plus quoi faire de ma peau. Alors, je mets mes gants beurre frais. Je prends l'air godiche qui convient. Et je vous demande en mariage. Ça vous avait l'air cotiche, mais très gentil. Acceptez-vous de prendre Pierre Lachaud, Guy Laurent, pour époux? Monsieur le maire s'impatiente. Ne riez pas.
suis mortellement sérieux. Isabelle, vous voulez bien? Oui, je veux bien. Jamais arrivé, tu sais. Oh, ma terre. Non, une fois, j'ai cru aimer quelqu'un. Mais c'était une erreur. Elle était belle? Très belle. Et il y en a eu beaucoup d'autres? Ah, beaucoup, oui. Ça t'ennuie? Non, j'aime mieux beaucoup qu'une seule. Et toi? Ouais. Deux. Tu les as aimés? Ben... Naturellement, pour qu'il me fasse. Enfin, je croyais, c'est pas très bien. Le premier était très gentil, mais il m'a trompé. Le deuxième était pas gentil du tout et je l'ai quitté. Et le troisième? Ah, le troisième. Le troisième est très gentil et très beau. Le troisième m'a envoûté. Le troisième sera le dernier, mais le troisième n'est pas comme les autres. Moi, je suis comme les autres. Pas précisément. Oh, si. C'est même ce qui me fait un peu peur, tu n'as pas vraiment besoin de moi. Ah, tu sais pas ce que tu dis. Moi, je serais partie, tu m'as oublié au bout de 8 jours. Mais, ah, écoute, c'est moi qui t'ai demandé de rester. J'ai assez de maladies décidées. Oui, je suis forcé. Oh, il va pas tarder à rentrer. Ben oui, seulement j'ai mon car à 6 heures. Ben alors revenez demain. C'est ça. Au revoir. Au revoir. Monsieur Laurent, s'il vous plaît. Vous avez rendez-vous? Non. Ah, alors impossible avant 3 semaines. Allez tout de même dire à Monsieur Laurent que le docteur Schaeffer de Rennes voudrait lui dire un mot. Vous êtes... Monsieur Laurent n'est pas là. Ajoutez que c'est personnel et urgent et qu'il a tout intérêt à me recevoir. Je vous répète que Monsieur Laurent n'est pas là. Eh bien, j'attendrai. C'est-à-dire que je ne sais pas à quelle heure. Je ne suis pas pressé. Pas mes mains. Tu m'aimerais quand même. Ça, je peux pas savoir. Si j'étais aveugle, tu m'aimerais quand même? Oui. Mais non, tu peux pas le jurer. Les gens les aiment en bloc. Si tu n'avais pas ça, tu ne serais pas de même. Et si je te disais que je suis comme les autres, que je n'ai aucun don particulier? Je te croirais pas. Et si je te le prouvais? Mais tu peux pas me prouver. Tu m'as guéri, je t'ai vu guérir Louise. Écoute, Isabelle. Taisez-vous, monsieur Laurent. Vous êtes un tout petit peu monstrueux, mais rassurez-vous, on vous aime comme vous êtes. Mmh.
Vous ne préférez pas revenir? Je vous ai déjà dit que j'avais tout le temps. Il y a quelqu'un pour vous. Oh, André. Il m'a attendu? Oui. Pauvre gosse. Bon, allez le soigner. Je passe à la maison, je reviens dans 5 minutes. Écoutez, c'est pas André, c'est un toubib. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Sûrement pas du bien. Docteur Schaeffer de Rennes. Vous connaissez? Ça lui est arrivé. Bonjour, Schaeffer. Je suis navré de t'avoir fait attendre. C'est toi, Laurent. Comme tu vois. J'étais certain que je t'avais reconnu, Arène. Excuse-moi, mais tu comprends bien que Monsieur Laurent ne tient pas à rencontrer la faculté. Je te dégoûte, hein? Lachaud, qui a fait ses études et passé sa thèse avec moi, il fait le guérisseur. Oui, des passes. Un médecin, vous rendez compte? Moi, je me suis dégoûté pendant un temps, mais c'est bien fini. Tu en es là. Et toi, où en es-tu, mon pauvre Schaeffer? Regarde-toi. 37 ans, le matin à l'hôpital, l'après-midi, 3 malades qui ne paient pas. J'ai connu ça, moi aussi, pendant 8 ans. Docteur en médecine, pas un rond pour s'installer, pas de piston pour les concours. J'en ai eu marre, figure-toi. Avoue, Schaeffer, t'en as plein les bottes, toi aussi. Je me fous du fric. D'accord. En tout cas, si tu veux t'installer à Paris, je peux te prêter ce qu'il faut. Salaud. Toi, un médecin. Ah, pardon, ex-médecin. J'ai démissionné de l'ordre. La bonne vie, quoi. Et merde pour les malades. Erreur, mon cher confrère. Tu le sais comme moi, sur 100 malades, il y a 70 névrosés. C'est l'époque qui veut ça. Toi, ces 70-là, tu ne veux pas les voir, tu les renvoies. Tu les engueules. Je n'ai pas de temps à perdre. Eh bien, moi, j'en ai. Et je les guéris. Ils n'ont rien. N'empêche qu'ils souffrent. C'est peut-être là que ça se passe. Ils ont peut-être tort aux yeux de la médecine officielle, mais ils souffrent. Et moi, je les soulage. Tu les abrutis, oui. Tu les confirmes dans des croyances idiotes. Tu exploites leurs bêtises. Ils ne sont pas idiots. Ils sont désemparés et ignorants. C'est pour ça qu'ils me font confiance. Et que je peux les guérir. Enfin, je ne vais pas tout de même les laisser souffrir. Par moralité, non? J'ai une grande nouvelle à t'apprendre. Je parie que je la connais. Tu ne rentres pas à Paris. Oh, ben, tu n'es pas drôlement qui voulait te faire une surprise. Tu dissimules mal. Je l'avais deviné depuis longtemps. En tout cas, je dîne pas là ce soir. Tu m'en fais pas. Par grandeur d'âme, tu soignes des malades qui n'ont rien. Et parce qu'il faut bien vivre, tu acceptes leur argent. Mais les autres, les vrais, tu nous les laisses. Par humilité, sans doute, par respect pour la faculté. Mais les autres, j'en ai dit beaucoup, tu n'as jamais entendu parler de Louise Mériadec. T'as miraculé. Ah si, j'en ai entendu parler. Et alors? Louise est vraiment cardiaque, Schaeffer. Elle a failli rester aujourd'hui, elle est debout. Tu l'as soignée au fluide? Tu voudrais bien le savoir, hein? Ça te tracasse. Je ne te le dirai pas. Je ne te dirai rien, tu n'es pas en état de m'écouter. Et même si tu n'étais pas en fureur, tu ne pourrais pas comprendre. Je comprends clairement que tu es un salaud. Tu es même beaucoup plus salaud que tes collègues. Eux, au moins, ils ont l'excuse de l'ignorance ou de l'imbécilité. Beaucoup y croient. Mais toi, Lachaud, toi, un médecin. Un médecin raté, d'accord. Mais un médecin, quand même. Et tu n'es même pas franchement cynique. Tu essaies de te justifier. Au fond, tu as honte. Et en plus, tu mens. Tu soignes un tubercule par le fluide. Et ça, c'est de l'assassinat. André t'a parlé? Il s'est coupé par maladresse. André m'a apporté ses radios pour les examiner. Et je te l'ai renvoyé. Merci, mon cher confrère. Vous aurez vos 10%. Et naturellement, tu diagnostiques aux pendules. Vous avez une caverne au poumon, un cancer du foie. Mais tu te fous du monde! Tu sais aussi bien que moi que c'est grâce à tout ça qu'il nous arrive tous les jours. Beaucoup trop tard.
On est malade à demi-mort. C'est vous autres qui les assassinez. Mais ils vont toujours chez vous avant de venir chez nous. Donc c'est pas le problème. André, tu lui regonfles son pneumo. Moi, je lui regonfle le moral. Saisissante formule. Ouais, bah, rigole tant que tu voudras. André, il a besoin de nous deux. Oui, parfaitement. Tu le soignes de ton mieux, mais tu le terrorises. Ce qu'il a dans la tête, ça ne t'intéresse pas. Ce sont des médecins comme toi qui me font ma clientèle. Tu ne remplis que la moitié de ton rôle, la moitié technique. Le reste, c'est moi qui m'en charge. Dans 5 minutes, tu vas me dire que tu as du fluide. Eh bien, fluide ou pas, primo, tu vas lâcher André. Et secondo, compte sur moi pour te faire un procès. Oui, ben, ton procès, je m'en fous, c'est pas la publicité. Mais pour André, attention, Schaeffer. Il n'a aucune confiance en toi, c'est un grand nerveux. Mais tu y crois, ma parole. Tu as trop fait le singe, ça t'a porté à la tête. Tu y crois. Ben, les malades y croient, ça suffit. Et puis surtout, ça paye bien. Ben, mieux que tu ne saurais croire. Regarde, tous mes rendez-vous pris 3 semaines à l'avance. Combien tu me malades, Schaeffer? 5, 6? Tiens. Des lettres de malades reconnaissants. En as-tu jamais reçu une seule? Hein? Et la maison? À moi. Tout est à moi ici. Alors? Il n'a pas l'air content. À cause d'André. Je l'avais dit. Procès? Procès. Bravo, ça fait de la ruée ici. Va falloir nous agrandir. Ah, au fait, je n'ai pas eu le temps de te le dire. Je me marie. Il y a longtemps que tu es là? Non, non, j'arrive. Où allons-nous? Dans un endroit cher. Puisque ça paye bien. Ah bon? Tu écoutes aux portes? Aux fenêtres, docteur. Et je n'écoutais pas, j'entendais parce que vous criez très fort. Votre confrère, surtout. Parce que vous, évidemment, vous étiez plus discret. Isabelle, j'ai essayé 10 fois de vous dire... Non, je vous en prie. Vous avez fait ça. Vous faites ça. Mais c'est drôle, pourtant, vous avez l'air franc. Et vous m'avez menti, vous mentez à tout le monde. Et moi, j'étais là comme une idiote à vous regarder faire. Et je vous admirais. Ah, vous avez bien dû rire de moi. Moi, rire de vous. Vous ne le croyez pas? Oh, je sais pas, je sais plus. J'aurai plus jamais confiance en personne. Mais enfin, Pierre, je suis pas folle. André, Louise, tous vos malades, moi-même. Vous ne pouvez pas tromper tout le monde. Il doit bien y avoir quelque chose. Je ne peux pas vous expliquer, Isabelle. Par moments, je ne comprends pas moi-même. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais cet après-midi, c'était vrai? Mon amour. J'aimerais tant vous croire. C'est horrible de douter de quelqu'un qu'on aime. Vous ne me mentirez plus jamais. Plus jamais. Tu ne le mérites pas, mais je t'aime quand même. Moi, je t'aime tout court. Vous ne vous êtes pas fatigué ces derniers temps? Vous n'avez pas fait de bêtises? Non, pourquoi? Ça va pas? Vous me faites du liquide. C'est grave? Ça arrive souvent avec les pneumons. Ce n'est pas grave, mais il faut le repos absolu. C'est facile à dire. C'est facile à faire. Vous n'avez qu'à entrer à l'hôpital. Jamais! Jamais, vous m'aurez pas. Comme vous voudrez. Seulement, si vous avez un pépin, vous saurez à qui vous en prendre. Je m'en prendrai à vous. Tout ça, c'est de votre faute. Ça allait trop bien. Il a fallu que vous alliez chez Laurent. Vous étiez jaloux, hein? Ah, vous pouvez être content. Il m'a laissé tomber, monsieur Laurent. Résultat, j'ai du liquide. Et tout ce que vous trouvez, c'est l'hôpital. Merci. J'y retournerai chez Laurent. Vous entendez? J'y retournerai. Si vous voulez vous suicider, ça vous regarde. J'aime mieux me suicider que de vous servir de cobaye.
Tiens, prends ça. Ça dépannera. Comment peux-tu être aussi dur? Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Mais tu lui donnes 20 000 francs comme tu jetterais un os à un chien. Et tu veux pas le... Mais je ne peux rien pour lui. Voilà 15 jours que tu t'en occupes plus. Tu vois la tête qu'il a? C'est une coïncidence. Mais je comprendrai jamais pourquoi tu ne veux pas... Oh mettre... non, je t'en prie. N'allons pas commencer. Mais vous avez annoncé Virolet. Mais c'est la même chose. Tous ceux qui viennent à la Richardet, c'est pour Virolet. Pardon me, sir. Do you think I can see Virolet today, or are there too many people here? Oui. Pardon. Est-ce que je peux... Merci. Revenez toutes les semaines. En deux mois, ce sera réglé. On ne m'opérera pas. Non, l'opération, c'est du charcutage. Combien je vous dois? Ce que vous voudrez. Je vous en prie. Si. Parce que j'ai encore mal. Toujours ton ulcère? Ben oui. Depuis la dernière fois, je n'ai pas été soulagé deux jours. Mange-toi. Bon sang, ça n'agit pas tout de suite. Ni tout de suite, ni après. J'ai idée que tu vieillis. Pas la vie de tout le monde. Mais justement, tu travailles à la chaîne. Alors c'est comme une pile électrique, tu te décharges. T'empêches pas d'aller au médecin. Ouf, s'agit pas du docteur. J'ai mieux à Dinan. Non? Parfaitement. Fous-moi le camp. Fous-moi le camp! On se crève le cul à soigner le monde. Et les copains viennent vous sortir des histoires de mort qu'on ressuscite. Moi, je fais ce que je peux. C'est peut-être pas énorme. Je trompe personne. Ton Laurent, c'est un voleur. Un voleur! Ressusciter les morts, si c'est pas malheureux d'entendre des histoires pareilles. Fous-moi le camp! Ça t'emmerde, hein? Ben, j'y vais. Ça va mieux. Vous avez déjà soigné des tuberculés? C'est pas du 100%. J'ai guéri un peu de tout. Ah, qu'est-ce que je vous dois? Rien. Mais... Plus tard, si ça marche. Oui, mais... Allez, attends.
là, mais il s'est évanoui. Je vais au docteur. Enlevons-le. Silence. Silence. Avoue, Isabelle, tu meurs d'envie de rentrer à Paris. Mon travail me manque. Oui. Surtout, notre histoire te pèse. Non, Pierre, mais j'ai peur. Nous allons faire une bêtise. Je t'aime. Je crois que tu m'aimes aussi. Et nous ne pourrons pas vivre ensemble. Et voilà. Dans 10 ans, tu me reprocheras encore cette histoire. Mais non, Pierre, je ne te reproche rien. Mais c'est vrai, je ne peux pas te voir comme avant. Mais tu sais bien qu'il y a quelque chose de cassé. Parce que je t'ai menti. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on n'en parle plus? Que je te demande pardon à la corde au cou? Oh, n'écris pas. Vous êtes toutes les mêmes. Vous compliquez tout à plaisir. Pierre. Mais c'est vrai, je ne peux plus faire un geste sans me sentir épié. Ce n'est plus une femme que j'ai en face de moi. C'est un juge. Mais si je ne t'aimais pas, je ne me poserais pas de questions. Mais si tu m'aimais, tu me ferais confiance. Je ne sais plus qui tu es. Je suis Pierre Lachaud, ancien médecin. Aujourd'hui guérisseur sous le nom de Laurent. Entrez! Téléphone. Je n'y suis pas. C'est le docteur Schaeffer. Présente-lui. André a un pépin. Passe-moi la ligne. Allô? Lachaud? Tu peux être fier de toi. Tu as fait du beau travail. Qu'est-ce que tu racontes? André! On vient de me l'amener à l'hôpital. Liquide purulent et perforation. Il a une chance sur 10 de s'en tirer. Qu'il y reste ou non, je te garantis que tu le sentiras passer. Et alors? Je ne m'en occupe plus depuis 3 semaines. Sais-tu où on l'a ramassé? J'ai Birolet, ton collègue. Un Birolet et moi, ça fait 2. Non, vous êtes tous les mêmes. Tu l'as empoisonné, ce malheureux. C'est ta faute, il n'a pas voulu m'écouter. C'est ta faute, il n'est pas entré à l'hôpital. Ce sera ta faute s'il en claque. Ah ben, t'es culotté, Schaeffer. Tu m'as fait lâcher André, il a un pépin, et aujourd'hui, tu me mets ça sur le dos. Allô? Allô? Salopard. Alors tu le laisses mourir? Quoi? Ah non! Ah, ça alors, vous êtes bouffons tous les deux. D'après le docteur, je le tue en le soignant. Et d'après toi, je le tue en le mettant à la porte. Ben, ça ne va pas. Mettez-vous d'accord. Mais tu peux encore le guérir, Pierre, tu le sais bien. Mais non, tu t'obstines à nier l'évidence. Mais quelle évidence? Mais tu peux guérir les gens. Mais nom de nom, mais cesse de dire des âneries. Tu ne comprendras non jamais. Mais tout ça, c'est de la foutaise. Tu crois vraiment qu'on peut diagnostiquer au pendule? Tu crois vraiment qu'on soigne avec des pas? Mais je sais pas. Je crois simplement que toi, tu peux guérir les malades. Mais naturellement, mais parce que je suis médecin. Les dingos, oui, je les magnétise. Ils n'ont rien. Ça leur fait du bien parce qu'ils sont gâteux. Mais les vrais malades, qu'est-ce que tu imagines? Tiens, tiens. Ma trousse de guérison. Tu croyais la connaître, hein? Eh ben non. Elle a un double fond. Regarde, voilà mes miracles. Une trousse de médecin. Louise, c'est avec ça que je l'ai miraculé. Oui, une piqûre intracardiaque d'adrénaline, comme n'importe quel médecin. Et l'eau magnétisée que je lui donne, une solution de spartéine. Ben et toi, qu'est-ce que tu t'imagines? Je te fais du bien parce que tu n'as rien, rien du tout. Des vapeurs de petites filles qui s'ennuient, et ça t'amuse de me voir faire l'imbécile. Eh ben j'en ai assez de jouer au clown pour te plaire. Nous avons passé l'âge. Ben, tu ne crois tout de même pas sérieusement que j'ai du fluide, non? Ou es-tu vraiment aussi bête que les autres? Plus bête que les autres. Beaucoup plus bête. Parce que moi, je t'ai aimé. Elle a pris le train hier soir à 7 h. Vous ne le saviez pas? Non, elle ne m'a rien dit. Nous nous sommes un peu disputés, mais... Déjà? Oh, oui. Rien de grave. Quand même, vous commencez trop tôt. C'est ma faute. C'est toujours la faute de tout le monde, les disputes. Ça y est, l'ordre des médecins porte plainte. De bons renseignements sur vous. Vous avez été un étudiant sérieux et un médecin consciencieux. Pourquoi avez-vous démissionné de l'ordre? Parce que je ne croyais plus à la médecine telle qu'on la pratique aujourd'hui. Que lui reprochez-vous? Je lui reproche de se prendre pour une science exacte. Elle ne l'est malheureusement pas. Elle tâtonne.
La plupart de mes ex-collègues veulent l'ignorer et agissent en ingénieur plutôt qu'en médecin. Ils considèrent le corps humain comme un moteur et la maladie comme une panne. Je crois cette théorie non seulement fausse, mais dangereuse. Vous en avez une autre ? Je n'ai aucune théorie. Je constate une chose que tous les médecins connaissent, mais qu'ils ont étrangement tendance à oublier. C'est que le corps et l'esprit forment un tout. Il y a interaction de l'un sur l'autre et qu'on ne peut pas les séparer. C'est d'une banalité parfaite, je n'ai rien inventé. Je dis seulement que l'action du psychisme sur les organes malades et même sur les lésions n'a pratiquement pas de limite. Vous prétendez en plus être doué d'un pouvoir spécial. Vous prétendez émettre un fluide. Appelez ça comme vous voudrez, monsieur le Président. Je dois avoir quelque chose que les médecins n'ont pas. Quelque chose qu'on n'acquiert pas dans les facultés. Là encore, je me borne à constater un fait. J'impose les mains et le malade se guérit. Est-ce que je vous dis que je suis convoqué comme témoin? Ils se passeront de vous. D'ailleurs, avec la gueule que vous avez, vous lui feriez plutôt du tort. Je suis en prison ou à l'hôpital? Comme vous voudrez. Signez-moi votre feuille. Vous sortez sous votre entière responsabilité. Et si vous sortez, vous ne rentrez plus. Rassurez-vous. J'enfoncerai pas la porte. Je lui ai demandé pourquoi il était devenu guérisseur. Il m'a répondu, parce que j'en avais marre de crever de faim. Je lui ai demandé s'il diagnostiquait au pendule. Il m'a répondu, bien sûr que non, mais ce genre de singerie, ça impressionne. Je lui ai demandé enfin s'il croyait avoir du fluide. Et il m'a répondu cyniquement, les malades le croient, ça suffit. Je plaisantais. Vous n'avez pas la parole. Et effectivement, les malades y croient, monsieur le Président. C'est bien là le danger. C'est parce qu'il croyait aveuglément en Lachaud qu'André Turenne a renoncé aux soins médicaux. Il a préféré consulter d'autres charlatans. Et il a failli payer de sa vie cette crédulité dont Lachaud fait son gagne-pain. Je n'ai jamais pris un sou, André. Encore une fois, je vous prie de vous taire. J'estime qu'il n'y a pas seulement exercice illégal de la médecine, mais escroquerie et abus de confiance. Silence ! Lachaud a été médecin, monsieur le Président. Il sait parfaitement que ses passes sont sans effet. Des milliers de chercheurs travaillent dans tous les laboratoires, dans tous les hôpitaux du monde. Lachaud n'ignore rien des efforts de la médecine et des résultats prodigieux qu'elle obtient tous les jours. Il est trop intelligent pour croire sérieusement aux balivernes qu'il sert à ses malades. Contrairement à ce qu'il affirme, il croit à la médecine scientifique. C'est uniquement par intérêt qu'il a renoncé à une profession que ce n'est pas à moi de défendre, mais dont je tiens quand même à dire qu'elle est trop souvent décriée. Silence ! Je vous remercie, docteur Chef. Maître Vierne, pas de questions ? Non, non, monsieur. Monsieur le procureur. Maître Renaud ? Docteur Schaeffer, quand avez-vous constaté que M. André Turenne avait un épanchement pleural? Le 17 août. Soit 12 jours exactement après que Lachaud ait cessé de lui donner ses soins conjointement aux vôtres. Où en est-il aujourd'hui? Il a failli mourir d'une perforation de la plèvre. Il a actuellement une pleurésie purulente en bonne voie de guérison. Est-ce vous qui le soignez? Oui. Eh bien, bravo. Permettez-moi de vous dire qu'à sa place, j'aurais changé de médecin. Silence ! Silence ! Silence ! Silence ! On m'a donnée pour morte. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai retrouvé mon cœur de 20 ans, mais presque. J'ai repris mon travail, normalement. Eh bien, en 3 semaines, les douleurs ont cessé. Je n'ai plus jamais de crise. Je peux même boire un peu de vin. Et manger ce que je veux. 3 médecins m'avaient jeté à la porte, monsieur le Président. 3. Eh bien, monsieur Laurent, lui, m'a fait retrouver le sommeil. Un eczéma purulent, monsieur le Président. Plein les mains, plein les avant-bras, au point que les copains voulaient même plus me cirer la main. Eh bien, regardez, monsieur le Président. Regardez au bout de 6 semaines. Voilà. Voilà ce qu'il a fait, monsieur Laurent. Je suis heureux de pouvoir lui dire en public merci. Merci, monsieur Laurent! Si ces manifestations sont prodiges, je ferai évacuer la salle. J'entraîne le témoin suivant.
torturé. Vous vous appelez André Turenne, né le 7 septembre 1926 à Laval. Oui, monsieur le président. Vous exercez la profession de violoniste. Vous faites partie de l'orchestre de Radio Rennes. Oui, monsieur le président. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Le tribunal vous écoute. Monsieur le président, s'il vous plaît, je voudrais m'asseoir. Apportez une chaise au témoin. Monsieur le Président, je suis encore très malade et ça me fatigue de parler. Voilà. On a voulu m'empêcher de témoigner, mais je suis venu parce que c'est monstrueux. Si quelqu'un fait quelque chose pour moi, c'est Monsieur Laurent. Il allait me guérir. On lui a défendu de me soigner. Mais je n'en veux pas. J'en veux aux autres. Il m'en fait que du mal. Lui, il me faisait du bien. Et aujourd'hui encore, il n'y a que lui qui peut me guérir. Le tribunal vous remercie. Bravo! 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 Silence! 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 Dirty round. Monsieur le Président, au nom du Conseil départemental de l'Ordre des médecins, je demande 200 000 francs de dommages et intérêts. Monsieur le Président, l'homme que vous avez devant vous n'est pas un guérisseur comme les autres. Il n'a pas l'excuse de l'ignorance, ni celle du mysticisme. Lachaud est intelligent et calculateur. De nos jours, la science est reine. Le matérialisme triomphe. L'homme de la rue suit docilement le mouvement. Mais cette rationalisation ne le satisfait pas. Il aspire à une foi. Il voudrait du mystère. Et paradoxalement, le prodigieux développement des sciences l'amène à la crédulité. Après tout, pense-t-il, mais tout est possible. Lachaud a parfaitement compris ce besoin d'une croyance qui tenaille ses contemporains. Et cyniquement, il a décidé de leur vendre le surnaturel qui leur manque. Surnaturel de pacotille, monsieur le président. Alors, mon gars, ça va mieux? Ça va, oui. Bon, je retourne là-bas. Très bien. Tiens, bois ça. Merci. Et maintenant, je vais te reconduire à l'hôpital. Non. Je peux pas y retourner. Puis je vois monsieur Laurent. Les pratiques de monsieur Laurent Lachaud portent incontestablement atteinte à l'honneur de la profession médicale, dont l'intérêt se confond ici avec celui des malades. Il ne faut pas oublier qu'il y a aujourd'hui en France 40 000 guérisseurs pour 38 000 médecins. Les procès se multiplient. Il ne faut pas qu'ils servent uniquement à la publicité des illégaux. Je vous demande donc d'appliquer la loi avec sévérité. Et quand bien même mon client n'agirait que par suggestion sur la maladie. Un fait demeure, monsieur le président, il guérit. Les malades sont venus vous le dire là-bas. Des centaines d'autres l'attestent dans des lettres qui figurent au dossier. Alors, mon sympathique adversaire voudrait en somme obliger les malades à souffrir ou à mourir suivant les règles et à leur interdire de se guérir contre les règles. C'est un respect de la loi qui frise la cruauté. Nous n'avons rien contre les médecins. Au contraire, nous leur demandons leur collaboration. Et ils refusent obstinément. Nous proposons depuis des années un statut des guérisseurs qui les autoriserait à travailler sous contrôle médical. La faculté refuse obstinément. Aurait-elle peur, monsieur le président? Et si elle a peur, est-ce pour les malades ou pour son porte-monnaie? Silence! Pour ces motifs, condamne Pierre Lachaud, dit Laurent, à payer 50 000 francs d'amende et 200 000 francs de dommages intérêts à l'ordre départemental des médecins. L'audience élevée. Regarde-les, chez père, c'est moi qui ai raison. Ne crains pas, Lachaud, tu paieras un jour. Monsieur Laurent! Monsieur Laurent!
qu'est-ce que vous voulez en faire? Je vais le garder, le guérir. Quoi? Vous n'avez quand même pas... Je ferai ce qu'il faudra. Les passes et le reste. Et vous n'avez pas de radio, vous n'avez rien. Ben, ça s'achète, le matériel. Je te dis que je le tirerai d'affaire. Ces idiots-là finiront peut-être par comprendre. Ça y est, je t'ai fait mal? Pas du tout. Bon, je t'ai presque tout enlevé. Il est redevenu clair, ton liquide. Bravo. Ces dernières radios et tes tomos sont parfaits. Alors, sage d'être sage. Je te ferai plus de pension. Recouche-toi. Tout à l'heure. Dernière livraison est arrivée. Oui, monsieur. Le courrier d'aujourd'hui, monsieur. Merci. Ça y est, André est couché. Avec un peu de chance, dans deux mois, il cadavra partout. À la tête de ses fers. Non, mais c'est peut-être qu'ils vont tous faire. Ça, je veux dire que moi-même... Bah, et moi, donc. Je pensais bien y arriver, mais si vite, ça c'est un miracle. C'est lui-même qui se miraculise, mais n'empêche que c'est prodigieux. 387 lettres. Ça, c'est l'édème complet. Ça, ulcère à l'estomac, prostate, sciatique, cardiaque. 4 tubards. 2 cancers. Non. 67 demandes de rendez-vous sans précision. 4 polio. Non. 3 demandes de consultation à domicile, Nice, Bruxelles, Casablanca. Qu'est-ce qu'ils ont? Bruxelles, sclérose en plaques. Non. Casa, urémie. Le type n'a pas pissé depuis 3 jours. Nice, rhumatisme. C'est joli, Casa? Je sais pas, ils offrent 100 000 francs plus les frais. J'ai le temps? Samedi et dimanche. Bon, j'y vais, laisse tomber les autres. Ça, c'est des remerciements, ça c'est un peu de tout. Foie, rein, névralgie. Il y en a 16 qui demandent si vous soignez à distance. Pourquoi pas? Oh, quand même. Bah, allons savoir. Ça, c'est enfin. Merci. 1000 francs. Merci. Voilà. Mon confrère, Monsieur Robert. Il applique avec succès mes méthodes. C'est à l'épaule gauche que vous avez mal. Oui. Levez le bras. Je ne peux pas plus haut. Donnez-moi les mains. Regardez-moi. Détendez-vous, ne pensez à rien. Levez le bras. Plus haut. Là, vous avez encore mal? Non. Ça alors? Une application de coton magnétisé le soir en vous couchant. Pendant 8 jours. Par ici. Ah.
Ah, tu trouves pas ça crevant? Non. C'est pas sérieux. Oui, vous, moi, c'est pareil, puisque tout ça, c'est des salades. Seulement, si vous m'avez demandé de faire ça, c'est que vous commencez à y croire. Ce n'est pas idiot ce que tu viens de dire. Bon, vous y croyez pas, hein? Ah, oh, je ne sais plus. Non, bien sûr. Ah, j'aime mieux ça. Parce qu'il y a des moments où je me demande si ça tourne rond. Écoutez, vous n'allez pas gueuler? Mais non. Eh ben, c'est salaud ce que vous faites. La flotte, le coton, tout le cirque, c'est salaud et dangereux. C'est une expérience. Je veux voir jusqu'où on peut aller. Vous dites ça. Mais vous cherchez le pépin. Au début, ça allait. André, d'accord et bravo. Bon, enfin, c'est devenu la foire. C'est pas ça que vous vouliez faire. Aujourd'hui, vous vous foutez de tout et vous travaillez comme on se saoule. Si j'ai envie de me saouler, saoulez-vous. Seulement, je vous le dis franchement. Jouer avec la peau des autres sous prétexte qu'on est emmerdé, c'est moche. Moi, je suis emmerdé. On peut savoir pourquoi? Cherchez bien. Vous devinerez peut-être. J'ai vu Louise Mériadec ce matin. Isabelle, ça va toujours pas. Je sais. Est-ce qu'au moins elle se soigne, cette petite idiote? Elle se fait soigner par Boieldieu. Boieldieu? C'est un faisant! Et selon le guérisseur, que l'on nous lance avec mépris, comme une insulte, nous l'acceptons. Nous l'acceptons avec orgueil. Car le guérisseur, c'est celui qui guérit. Le malade est-il maître de son corps? A-t-il, oui ou non, le droit de se faire soigner par qui bon lui semble? À ces questions, la loi et les médecins répondent non. Ce qui revient à dire que le malade déclaré incurable par la faculté a le devoir de mourir suivant les règles et l'interdiction de se guérir contre les règles. Nous ne sommes pas ici pour défendre nos intérêts. Ce que nous défendons, ce sont l'intérêt et les droits du malade. Dans un instant, des expériences pratiques vous prouveront la réalité de ces forces dont la médecine officielle refuse d'admettre l'existence. Ne vous attendez pas à des guérisons miraculeuses. Un traitement magnétique demande souvent beaucoup de temps. Ce qui seul compte, c'est la guérison du malade. Allez, maintenant, mesdames et messieurs, nous allons passer aux expériences pratiques. Madame Lucie Vollard, professeure à notre école centrale de magnétisme. Je n'ai pas de fluide animal. J'ai guéri par le fluide astral. Mon seul don est de pouvoir recueillir ce fluide. Il se concentre en moi et je le transmets par les mains. Ce fluide, je vais vous le faire sentir à tous. Que ceux d'entre vous qui souffrent lèvent leur main gauche en l'air pour faire antenne et posent leur main droite à l'endroit où ils souffrent. Et maintenant, détendez-vous, fermez les yeux, respirez doucement, lentement, faites le vide absolu. Maintenant, vous êtes réceptif. Et voilà. Ceux qui ont senti quelque chose, qui ont moins mal, qui n'ont plus mal, levez la main.
Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons commencer les traitements publics et gratuits. Ceux qui ont mis leur nom dans cette boîte sont malheureusement trop nombreux pour passer tous. Nous allons donc tirer au sort. Madame Girard, 18 place d'Allègre. Mademoiselle Bourgeois, 11 rue de la Bûcherie. Monsieur Frayer, 5 rue de la Zanée. Madame Célestin, 17 boulevard Bonne Nouvelle. Monsieur Jacques Carpan, 9 allée des Tilleuls. Vous vous sentez mieux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous aviez, madame? Je souffrais terriblement des reins. J'ai trouvé une grande chaleur et un soulagement immédiat. Je vous remercie, madame. Alors? J'ai le pouce déboîté. Tout à l'heure, ça me tiraillait partout, mais maintenant, j'ai plus mal. C'est réel, hein, j'ai plus mal. Non, mais c'est réel. Veuillez monter, je vous en prie, mademoiselle. Mais oui, madame, le cancer, c'est la plus grande escroquerie médicale du siècle. Rien n'est plus facile à soigner. Mais personnellement, j'ai guéri un malade du cancer des fumeurs en lui faisant mâcher certaines herbes pendant 15 jours. Monsieur Boilguet. Monsieur? Je suis Laurent. Laurent de Dinan. Vous étiez là? Mais vous auriez dû me faire dire que vous étiez dans la salle. Je voudrais vous dire un mot. Excusez-moi une seconde. Par ici, vous voulez. Monsieur Boilguet, j'ai appris que vous soignez une de mes anciennes malades, mademoiselle Isabelle Danceny. Puis je vous demander de ses nouvelles. Je crains que l'heure et l'endroit ne soient mal choisis. Non, écoutez, je la vois demain matin. Faites-moi donc le plaisir de passer chez moi, vous la verrez. Et je serai ravi de causer avec vous. Ce n'est pas grave. Non, non. Des vapeurs de petites filles. Oh, excusez-moi, mon cher, mais vraiment. Isabelle. Pierre. Mais tu es malade. Écoute-moi, Isabelle. Lâchez-moi, ne me touchez pas. Tu es malade. Boilguet est un fumiste ou un fou. Il est dangereux. De quoi vous mêlez-vous? Pense de moi ce que tu voudras, Isabelle. Mais je t'en supplie, va voir un médecin. Un médecin comme vous? L'index arrive sur le numéro du médicament qui convient, mon pendule s'arrête. Je note et je recommence. En 5 minutes, c'est réglé. Le plus gros avantage de mon appareil, c'est qu'il me permet de traiter par correspondance. Plus je vais, moins je me déplace et moins je reçois. Vous avez l'air sceptique. J'avoue que... Et vous avez examiné Isabelle Danceny avec ça? Oui. Pendule immobile. Elle n'a rien. Elle n'a rien, mais vous la soignez quand même, non? Elle a insisté pour me voir. Je la reçois une fois par semaine. De quoi se plaint-elle? Violente migraine au réveil. Tous les matins? Elle le dit. Nausée? Oui. Vertige? Oui. Trouble de la vue? Elle m'en a parlé, mais... Et bien entendu, vous n'avez pas vérifié ses réflexes. Vous n'avez fait faire ni craniographie, ni ponction, ni examen d'aucune sorte. J'ai mieux. Oh, écoutez, mon cher, vous m'étonnez. Vous n'ignorez tout de même pas que des milliers de jeunes femmes parfaitement saines connaissent ce genre de malaise. C'est l'ennui, un mauvais mariage, un chagrin d'amour. Elles n'ont pas de syncope, ni de troubles de la vue, ni de troubles sensitifs. Et Isabelle Danceny en a. Alors, comment la soignez-vous? Je lui fais prendre de l'extrait de genêt et des macérations de palme dosées suivant ma formule. Et vous?
vous moquez du monde, pourquoi pas de l'aspirine? Vous la voyez toutes les semaines, et vous n'avez pas pensé une seconde qu'il pouvait s'agir d'une tumeur cérébrale. Non, excusez-moi, mon cher, mais vous avez soigné cette personne avant moi. Vous non plus que je sache, vous n'êtes arrivé à rien. Vous non plus, vous n'avez fait ni radio ni examen. Et puisque nous sommes entre nous, je ne crois pas indiscret de vous demander ce que vous, vous lui faisiez prendre. Maintenant, ça suffit. Vous allez venir avec moi. Vous êtes devenu fou, non? Mais c'est vous qui êtes folle. Je ne vais pas vous laisser vous suicider par obstination. Allez, venez. Et maintenant, si vous voulez descendre, je ne vous en empêche pas. Allez retrouver Boieldieu. Avec un peu de chance, il vous tuera. Je n'ai pas l'habitude de garder mes malades contre leur volonté. Isabelle. Oh, Pierre, j'ai peur, mais... Isabelle, tu dors? Isabelle! Mal, mon chéri. Oh, tu me guériras, Pierre. Tu me guériras. Voyons, la chose n'est pas une urgence. On ne fait pas d'examen intracrânien en pleine nuit. Demain, mon vieux, demain. Et puis, ne t'en fais pas. Tu n'as peut-être plus un diagnostic très sûr. Elle a eu deux syncopes. Oui. C'est peut-être bien ça. Je ne peux rien vous dire avant l'examen complet. Demain. Demain. Merci, docteur.
Soyez courageux, Lachaud. C'est un méningiome de la scissure de Sylvius. L'extension de la tumeur est telle qu'elle est maintenant parfaitement inopérable. Oh, c'est ma faute. C'est ma faute, je l'ai vu tous les jours pendant des semaines. J'ai pas compris. Non, à l'époque, le diagnostic était impossible. Vous ne pouviez rien voir. Si. C'est ta faute. C'est ta faute si elle ne s'est pas soignée. Si elle est allée chez Boël-Dieu. Vous ne pouvez vraiment rien. Trop tard, mon pauvre Dieu, beaucoup trop tard. Si je perds, je risque encore d'abréger. Emmène-moi, Pierre. Ils me font peur. J'ai mal. Tes mains. Donne-moi tes mains. Écoute. Venez, mon vieux. Laissez-la se reposer. Tu me téléphoneras à l'hôtel. Entendu. Et pour les rendez-vous? Décommandez tout le monde. Arrêtez tout. Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'elle meure heureuse? C'est peut-être ahurissant, mais le fait est là. Il lui évite de souffrir. Bon. Si jamais ça sait, nous aurons bonne mine. Excusez-moi. Je suis pas fou.
C'est bien monsieur Laurent que j'ai vu au 7. Mais non, mais non. Ça commence. Si cette information est exacte, l'hôpital de Rennes serait le premier en France où un guérisseur opérerait sous contrôle médical. Ce serait un grand pas vers la solution de l'irritant conflit qui dresse l'une contre l'autre la médecine officielle et la médecine empirique. N'empêche qu'en 3 jours, elle a changé de gueule. Elle ne souffre plus et elle mange. C'est les nerfs. Une tumeur au cerveau, c'est les nerfs. Quand elle est entrée, il lui donnait 15 jours. Eh bien, moi, je vous dis qu'elle s'en tirera. Un pari? 1000 balles. 1000 balles. Comment mèneras-tu? Bientôt. J'ai plus mal. Oh, je t'en prie, Pierre, emmène-moi si tu trouves d'ici. Mais dès qu'on t'aura refait une radio, je te promets. Allô? C'est pour vous, un journaliste. Dites-lui d'aller se faire foutre et de ne plus écrire de conneries. Le docteur m'a dit... Merci. J'ai entendu. Excusez-moi. Vous êtes bien monsieur Laurent? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous êtes journaliste? Ouais. Dites donc, ils sont charmants dans votre boîte. Oh, c'est rien, ça. Venez avec moi. Au 8e jour de traitement magnétique, l'état de la malade s'est considérablement amélioré. 1000 balles, mon gars, j'ai idée que tu les auras dans l'os. Eh ben, minute. J'ai encore une semaine. Et elle n'est pas sortie de l'auberge. C'est quand même pas facile. Enfin, quoi? Vous devenez tous fous? Non, Lachaud. Ne crois pas ça. Tu te prépares une déception horrible. L'hôpital est consigné! Quel canard? Paris Express. Allô? 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 Alors, c'est tuyau. Bah oui. Alors. Et peut-être que moi je vais voir monsieur Laurent. Non, c'est pas permis. Dis-moi pas, c'est mon vieux. J'ai été soigné par lui. Où allez-vous? À l'annexe, pavillon des chroniques. Personne ne passe. Personne. Mais j'ai dans les boules, tu m'as pas passé. Nous sommes venus vous apporter des fleurs. Salut. Pas mal. Non. Il est parti. Mes trophées. Attends. Je vais venir les chercher. Attends. Regarde. J'ai guéri. Mon pied a si guéri. Allô?
Je viens tout de suite. Une amélioration. La tumeur a évolué exactement comme nous l'avions prévu. Je l'ai tué. Mais non, mais vous lui avez évité une agonie de souffrance. Ça, c'est déjà une espèce de miracle. Écoute, mon pauvre vieux. C'est le moyen de t'en sortir. N'oublie pas que tu es médecin.